Bienvenue à toutes et tous pour cette nouvelle vidéo de présentation des vélos des pros. Aujourd'hui, je vous présente le Cervélo R5 de l'américain et coureur de l'équipe Jumbo-Visma, Sepp Kuss. C'est parti! Voici donc le modèle R5 de chez Cervélo. Ce dernier est le vélo typé montagne de la manufacture canadienne. Au niveau de la peinture, on se retrouve ici donc avec l'édition Jumbo Visma. A noter que ce cadre ne pèse que 703 grammes et l'ensemble cadre fourche pèse quant à lui 1 kg et 33 grammes. Niveau roue, il est équipé avec les réserves en 44 de profil à l'arrière et 40 à l'avant. Elles sont chaussées des pneus Vittoria Corsa tubeless de 28 de section et pour les disques, nous avons un 160 mm à l'avant et un 140 à l'arrière. En ce qui concerne la transmission, ce R5 est totalement équipé du groupe SRAM Rail E-Tape 12 vitesses. Il est également muni d'un capteur de puissance de la marque Quartz avec des manivelles de 170 mm. Ce pédalier est composé de plateaux en denture 52-39 et de pédales Wahoo Speedplay. Pour continuer, nous avons une chaîne SRAM Red et une cassette 12 vitesses en denture 10-33. En ce qui concerne le poste de pilotage, Sepp Kuss utilise sur ce R5 un cintre classique FSA K-Force en carbone avec une potence FSA SLK de 120 mm de longueur. Pour l'assise, l'américain de la Jumbo utilise la selle Fizik Antares Vento. Il utilise également les ports bidons de la marque Tax. Maintenant, place aux chiffres. Sepp Kuss mesure 1m82 et utilise un cadre de taille 54. Il a une hauteur de selle de 73,5 cm et une distance bec de selle axe de potence de 55,2 cm. Et pour conclure cette présentation, le poids de ce Cervélo R5 est de 6,930 kg. Voilà les amis, j'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce R5 en commentaire. N'oubliez pas non plus de vous abonner et on se retrouve très vite sur GCN en français. Bye bye !